Hey, salut, c'est Jessica, votre coach de fitness, musclez ses fesses à la maison, je vous entraîne et je vous coach, c'est parti! Et je profite de cette vidéo pour vous annoncer la sortie officielle de FB8S, le nouveau programme Move Your Fit, donc fessiers bombés en 8 semaines. Et ce programme, il a été créé pour faire du volume fessier, hein, muscler ses fesses, les remonter, qu'elles soient belles et qu'elles soient rondes depuis chez soi, en faisant à la maison. Donc, j'ai créé ce programme parce que des exercices fessiers qu'on peut faire à la maison, il y en a plein, mais la plupart d'entre eux, c'est uniquement pour de la tonification, où on peut pas faire de volume. Et si vous voulez grossir vos fesses parce qu'elles sont trop plates, parce qu'elles sont pas assez toniques et que vous galérez à les faire grossir, eh bien, il vous faut une vraie méthode avec des résistances, des charges. Parce que c'est pas en faisant le petit chien 100 fois à droite et 100 fois à gauche qu'on va réussir à avoir les fesses de Beyoncé. C'est pas en faisant 100 squats tous les matins, vous pouvez y aller, 100 squats le midi, 100 squats le soir, que vous allez avoir les fesses de Kim Kardashian. Bon, cela dit, Kim Kardashian, c'est carrément de la chirurgie esthétique. Mais c'est de toute façon pas comme ça qu'on peut avoir du volume fessier. De toute façon, avec le poids de corps, vous n'allez pas aller bien loin. Mis à part tonifier vos fessiers, observez un petit changement pendant quelques semaines. Au bout d'un mois, ce sera terminé. Il faut vraiment des charges pour changer la forme de vos fesses. Donc moi, je vous ai toujours conseillé d'aller en salle de musculation, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors maintenant, je sais, dans le réel, c'est pas toujours possible. C'est pour ça que j'ai créé une méthode pour le faire à la maison. Et donc pour ça, on va utiliser des résistances élastiques et aussi des poids. Je vous montre les élastiques que j'ai pris. Donc voilà les exemples d'élastiques que j'utilise pour travailler les fessiers et créer du volume. Ce sont des élastiques ronds et petits, très résistants. Il y en a de différentes qualités, de différentes résistances, mais ne prenez pas les élastiques longs, ils ne sont pas adaptés pour les exercices que l'on va faire. On va prendre aussi un pack d'eau, ça nous fera des charges. Donc si vous voulez vous inscrire au programme FB8S, je vous mets le lien dans la description, il suffit de cliquer dessus. Vous allez voir les entraînements, il y en a 3 par semaine, ça dure 25 minutes. Au bout de 8 semaines, vous aurez de vrais résultats. C'est pas une méthode où on fait du pipeau, ce sont des vraies méthodes. Je suis coach diplômé d'État et je peux vous garantir que vous aurez du volume fessier avec cette méthode-là dans 8 semaines. Dans le programme, je donne aussi mes collations protéinées à prendre après votre entraînement, et je fais toutes les séances d'entraînement avec vous où je vous coach en live. Vous n'allez pas vous retrouver avec un PDF à vous dire « Ah ben je dois faire 5 séries » et vous êtes toute seule avec votre papier à faire vos séries. C'est pas du tout ça. Hein. Je suis avec vous, c'est en vidéo. Là, on va faire une séance ensemble pour un objectif de volume. Donc ne vous attendez pas à avoir des séries longues avec des récupérations courtes. On va être plutôt sur l'inverse. Pour faire grossir, il faut des séries courtes avec des récupérations longues. Ah, c'est pas ce que vous connaissez d'habitude, hein. Bon, on y va, c'est parti? C'est parti, ok. Alors, comme dans toute bonne séance de fitness, eh ben, il y a un échauffement. Et pour s'échauffer, on va faire ça en premier. Hop, bras en l'air. On relâche, on enroule ses épaules, très très bien. Les pieds, largeur épaule, comme ceci, les jambes légèrement pliées. Vous allez faire des squats pour démarrer. Oui, les pieds bien à plat, les talons dans le sol, on pousse les fesses vers l'arrière. J'allais dire, on pousse les fesses vers l'arrière, comme ça, voilà. Et vous pouvez mettre les bras vers l'avant pour contrebalancer. Ça, c'est le premier exercice. Vous savez que les squats, c'est la base pour tonifier les fessiers. Alors, pour les tonifier, oui, pour les muscler aussi. Ouais, mais c'est pas si simple que ça pour faire grossir les fessiers. On pense que c'est facile, mais non, en fait. En tout cas, depuis la maison, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Il y a une méthode pour ça. Ok, on va continuer l'échauffement. On va faire un squat, une fente. Un squat, une fente. Squat, on se redresse. Fente, on se redresse. On se redresse. On se redresse. Je vais mettre profil comme ça pour vous montrer ce que ça donne. Regardez le pied qui va derrière. Le talon reste toujours bien levé. Et le genou qui est devant ne dépasse pas la pointe du pied avant. Là, je vous parle de sécurité. Hein, ben oui, la sécurité avant tout. Et ensuite, on va pouvoir être performant sur les exercices. Ok? À chaque fois, redressez-vous bien. Et respirez normalement, le plus normalement possible. Vous devez commencer à être légèrement essoufflé. En tout cas, moi, je fais que causer, donc forcément, je suis essoufflé. Voilà. Ça va, ça? Ouais. On descend, tac, on remonte. On descend, tac, on remonte. En plus, moi, j'ai fait une petite séance comme ça hier à la maison. Du coup, j'ai des courbatures. Ah ben, je vous cache pas que ça pique, hein, FB8S, ça pique. Mais ça donne du résultat aussi. Parce que de faire le petit chien
et faire je sais pas combien de squats, ça donne des courbatures, mais sans donner de volume. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ok, allez, on reste en haut. Hop, on secoue un petit peu les jambes. On récupère, on récupère. Vous allez vous étirer légèrement. Voilà, un petit peu les cuisses pour soulager. Ok, allez, salut, je m'en vais. Ok, on continue à s'échauffer et à faire monter le cœur et à stimuler un petit peu plus les fessiers. Sur l'exercice qu'on fait, vous sentez aussi les cuisses, c'est normal. On va faire donc les fentes comme ça. Si vous ne pouvez pas sauter, vous allez continuer comme ça. Si vous ne pouvez pas sauter, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de souci. Il y aura certains mouvements avec des sauts. Si vous ne pouvez pas sauter, je vous donne toujours une alternative. Là, l'alternative, c'est ça. Vous continuez les fentes vers l'arrière en appuyant bien avec le talon avant. Vous appuyez sur le talon quand vous remontez pour solliciter le fessier et la jambe d'appui. Ah bah oui. Ah bah oui, ok. Ça, c'est l'option, donc, si vous ne pouvez pas sauter. Si vous pouvez sauter, fente plio, hop. On prendra les résistances après. Hein. Alors, si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez faire cette séance, bien sûr. Et puis, acheter un petit kit d'élastique. Vous trouvez ça sur Amazon. Et puis refaites la séance avec des élastiques. Vous verrez le changement. On reste d'un côté. Placez-vous en fente comme ça. Allez-y. Et écartez bien les pieds. Hein. Regardez l'écartement de mes pieds. Là, vous êtes trop près. Reculez le pied. Genou ici. Ok, on saute. Hop, hop. Oh là là, c'est vilain. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, la vilaine. Ça pique. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 7, 8. Allez, 9, 10. Oh la vilaine. Secouez les jambes. Attention à pas trop pencher le buste. Hein. Restez bien gainé. Ok. Je considère que vous êtes échauffé. Vous avez pris de l'eau avec vous? Est-ce que vous avez pris de l'eau? C'est hyper important de s'hydrater. Hyper important. Ne vous asseyez pas. Ne vous asseyez pas. Restez debout. Marchez. Marchez, buvez. Ok, je vous ai dit que pour faire grossir les fesses, il fallait des charges. Vous avez un kettlebell, cool, prenez-le. Vous avez un pack d'eau, prenez un pack d'eau, parfait. Moi j'ai ça. Ok, hop. On va faire ce qu'on appelle le soulevé de terre. Prenez le pack, comme ceci. Alors, non, je ne fais pas de pub pour mon Roku, je bois de toutes les autres bouteilles. Pour moi, il y a autant de saloperies dans le plastique des bouteilles que dans l'eau du robinet. J'aimerais bien avoir une alternative pour boire de la bonne eau. D'ailleurs, si vous avez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc, la charge ne touche pas le corps. Elle est devant, ok? Les épaules claquent vers l'arrière. Si vous êtes comme ça, vous allez travailler vos fesses, vous allez vous faire mal au dos. C'est dommage. Ah bah oui. Bah, je vais pas sortir un programme d'eau le mois prochain. Ah bah non, bah non. On ouvre. Hop. On tire les omoplates derrière. Hop, donc faut pas toucher, c'est pas toujours évident. Je vous l'accorde. Omoplates tirées derrière. Ok. On touche pas, jambes légèrement pliées. On se penche vers l'avant. On se redresse. Comme ça, ça va être plus simple en fait. Voilà, tout simplement. Hop. Ok. Donc quand vous êtes en bas, ne relâchez pas les épaules. Ah ben non. Omoplate serrée, on peut poser un plateau sur votre dos, que les tasses ne se renversent pas. Je pense à un petit plateau de thé. Oui, je sais pas pourquoi. Mais quand je sers du thé, je mets ça sur un plateau. Voilà. Les jambes légèrement pliées. Quand on remonte, on serre les fesses. Jambes légèrement pliées. Clac. Ok. Le dos toujours super plat. Vous travaillez les fesses, aussi l'arrière des cuisses et un peu le dos. Bien, mais comme vous avez une charge et qu'on a fait un peu plus d'une dizaine de répétitions, on va reposer ici le poids. Main au-dessus des genoux, dos rond soufflé. Inspirez dos plat, dos rond soufflé. Inspirez dos plat, dos rond déroulé.
Enroulez vos épaules. Bien. Première série de soulevé de terre. Première série. Ok. Vous verrez que dans le programme FB Vitesse, je vous donne les alternatives pour pouvoir progresser au fur et à mesure. Bah oui, parce que si vous faites ça avec ça pendant un mois, bah le mois prochain, il faut changer. Bah oui, il faut plus de résistance, sinon vous allez stagner. C'est toujours pareil. Bah oui, parce que quand on veut créer du volume, il faut augmenter la résistance, augmenter les charges pour que le muscle, il progresse et qu'il grossisse. Capiche? Oui, si, j'ai compris, je suis là, c'est bien. Vous me suivez. Ok, deuxième série. Ah bah oui, on refait. Vous avez vu, le temps de repos était long. C'est normal, il faut que le muscle se repose entre les séries si vous voulez qu'il grossisse. On y va, deuxième série. C'est comme une petite plante. Petite plante, il ne faut pas lui donner que à boire, sinon elle se noie. Petite plante a besoin de soleil et de repos. Et ben voilà, imaginez que vos fessiers, c'est comme une petite plante. Elle a besoin d'entraînement, qu'on la nourrisse bien et de repos. Voilà. Comme ça, vos fessiers vont devenir une jolie petite plante dans quelques semaines. Est-ce que vous avez compté les répétitions? On a combien? 9? Il me semble qu'on a 9. 10, on va aller jusqu'à 12. 11, et la dernière, 12. Ok, hey, marchez pour récupérer. Vous savez quoi? Il y a une troisième et dernière série. Et ensuite, on prendra les élastiques. Si vous n'avez pas d'élastique, vous faites sans élastique. Sachez que vous aurez beaucoup moins de résultats sans élastique. Vous aurez de la tonicité, mais pas du volume. Il faut des élastiques. Donc la prochaine fois, vous achetez quoi? Évidemment. C'est parti, troisième et dernière série. Hop. On y va, on descend. On dit bonjour. 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 Vous avez vu? Vous avez vu dans certains pays, hein, où on fait des salutations comme ça, et bah ça muscle pas forcément les fessiers, hein. Sinon ce serait bien connu, ils auraient les fesses bien bombées. On pourrait faire comme eux. Ah bah oui, il faudrait un sac lesté avec je sais pas combien de kilos pour que ça fonctionne. Oh, j'en raconte des conneries des fois, moi, pendant les entraînements. Je vous dis des conneries des fois. Hein. Allez, hop, une dernière. Ok. Ok, bon, ça, c'est pas mal. On va aller chercher un peu plus loin. On va mettre le pack de côté et on va prendre un élastique d'une bonne résistance parce qu'on va travailler le grand fessier. Et le grand fessier, c'est un muscle puissant, gros. Donc, je vais pas prendre une bande qui est toute facile. Je vais en prendre une qui est bien dure. Voilà. Et il me faut une chaise. Pourquoi faire? Pour me faire un petit appui. Ok? Donc, on prend la bande, on la passe comme ça, voilà, voilà. Donc, juste au-dessus des genoux, un pied devant, un pied derrière. La bande est toujours tendue. Si elle n'est plus tendue, ça ne marche plus. Ça semble logique. Bon, alors, vous pouvez placer soit la bande au-dessus du genou ici, soit juste en dessous, comme vous préférez. Comme à votre aise. Si l'élastique il pète, c'est pas de ma faute. Si votre élastique et vous sentez qu'il est fragile, mettez-le plutôt au-dessus du genou, d'accord? Bon, après, ça coûte pas très cher, on pourra racheter un kit sur Amazon. Pointe de pied vers le sol. Ne mettez pas la pointe de pied complètement vers l'avant ni vers l'extérieur. On essaye de garder le bassin dans l'axe. Rentrez votre ventre. Le mien, je sentais qu'il était un peu sorti. On ouvre ici. C'est-à-dire qu'on est costaud dans son appui là. Clac. Ok, c'est parti. On lève derrière la jambe. Une, deux, et vous allez marquer la contraction derrière. Trois, on contracte derrière. Quatre, super. Cinq, hanche vers le sol. Six, n'ouvrez pas. Sept, pointe de pied vers le sol. Huit, on contracte, on ramène pas complètement. Neuf, pas complètement pour garder une tension toujours. Dix, on va jusqu'à 12. 11, toujours tonique en haut. 12, c'est tout bon.
L'autre jambe. Ta da da na 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 na. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu la jambe plier légèrement devant? 5, 6, 7. On marque la contraction. 8, super. 9, 10. Et sans poser le pied, hein? 11, 12, good job, bon boulot, hop, on redéplace la chaise, crac crac, vous avez vu, moi je place sous le genou, je me sens plus à l'aise comme ça. Après c'est à vous de placer les élastiques pour ressentir le plus de résistance possible, hein, tout dépend de l'écartement, la longueur des jambes que l'on a et l'élastique s'il est plus ou moins long. Donc à vous de tester aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 9, trop facile, la prochaine série, changez de bande, prenez plus dur, hein. Et ouais, la dernière, 12, si c'est trop facile, soit vous rajoutez une deuxième bande, soit vous changez une bande plus résistante si vous avez plus résistant, ok? Il y a toujours une solution pour que ce soit plus dur. Dans 3 mois, vous allez faire cette séance, vous allez dire j'en suis à 10 bandes. Vous allez avoir des fesses comme ça. On y va, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, on y va. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super. On change de côté. Allez, dernière fois. On tape un petit peu les fesses. Tape, 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 tape. C'est la récupération. Je vous fais rêver avec ma petite danse, hein. Non, ce ne sera ni le tube ni la danse de l'été. Tout, 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 tout. Mais peut-être la vôtre. Entre deux séries, on en profite. C'est parti. 3, 2, 1. Ben, c'est parti. 1, 2, ça va? 3, marquez bien la contraction derrière. 4, voilà. N'hésitez pas à contracter longtemps pour bien ressentir le mouvement. 7, rentrez le ventre redressé. 8, plus haut la jambe derrière. 9, ah bah oui. Allez, 10, c'est bien. 11, 12, ouh. Vous savez qu'il faut faire l'autre jambe. Je vous le dirai à chaque fois. Ça va? Bon, c'est bien ce que vous faites. C'est dur. Enfin non, pour l'instant c'est mou, ça va devenir dur, mais on s'est compris. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez. 11, allez, 12, super, bien, gardez l'élastique, vous pouvez mettre la chaise de côté, boire un petit coup, trop sexy de marcher avec l'élastique, trop sexe, c'est trop sexy de marcher avec l'élastique, alors oui, effectivement, si vous faites ça, vous sentez un peu les fesses. Mais si vous le faites toute la journée, ça ne sert pas à grand chose. Alors, next, ça va être un petit peu cardio, ça va faire un peu mal aux fesses. Cette fois-ci, on travaille petit, moyen fessier, soit le haut. Donc, ce sont des muscles qui sont plus petits. Vous allez sentir rapidement, si vous gardez la même bande de résistance, vous allez voir que rapidement, vous allez sentir, vous pouvez prendre plus léger aussi.
un plus léger, quand je dis plus léger, c'est une bande plus facile. C'est noté sur les bandes en général, hein, light, medium, strong, etc. L'exercice, ça va être de sauter. Vous avez vu, mes pieds sont écartés. Je saute les pieds écartés, la bande bien tendue, et ensuite je fais un squat. Et quand je fais un squat, on va écarter les genoux. Regardez, un petit écartement qui fait toute la différence entre ça, ni jamais les genoux à l'intérieur d'ailleurs. Ça, c'est le minimum. Moi, ce que je vais vous demander, c'est quand vous pliez les jambes, vous dites « Écartez les genoux, ça fait mal !» Un petit saut, on descend, on écarte. Un petit saut, on descend, on écarte. J'en veux 10, faut bien respirer. C'est parti, hop, on écarte, hop, on écarte, hop, baisse les fesses, écarte, hop, baisse les fesses, écarte, hop, super, ok, bien, si tu peux pas sauter, bah tu sautes pas, hop là, si tu peux pas sauter, tu sautes pas, si tu peux sauter et que tu peux maintenant essayer d'écarter les pieds quand tu sautes, c'est encore mieux. Et on a fait 10 là. Waouh, relâchez. Ce truc là, c'est vraiment bien fait parce que vraiment, on peut pas en faire 100. Non, ça crame trop en fait. Ça fait trop mal. Ok. Deuxième et dernière fois pour celui-ci. 3, 2, 1, go. Hop. Ah, j'ai oublié d'écarter. Écarte, 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 écarte. Oh, c'est chaud. Écarte. Écarte. Ouf. Baisse les fesses. Écarte. Écarte. Allez. Écarte. En bas. Écarte. Écarte. Encore. Il en reste combien? Dernier. Ok. Oh la vache. C'était dur. Oh. Ok. Vous voyez le genre d'entraînement que l'on peut faire si on souhaite du volume sur ses fessiers. Série courte, intense. Des fréquences longues, lentes. Et aussi courte avec de la plio et des sauts et cardio. Voilà, tout ça bien mélangé. Alors voilà, le FB vitesse et séance, elle dure 25 minutes. Donc c'est un petit peu plus long que celle-là. Et je vous coach, je suis avec vous, évidemment. On va faire quelques petits étirements. Hop, la cheville au-dessus du genou. Voilà, une petite séance de fessiers qui est un peu plus courte que le FB vitesse. Ça vous laisse entrevoir ce que l'on peut faire pour muscler ses fesses. Je peux vous dire que vous aurez des courbatures demain quand même. Et si vous n'avez pas de courbatures demain, si vous ne ressentez pas de douleur aux fessiers, c'est parce que vous aurez pris une bande de résistance trop légère. Peut-être que vous n'aurez pas fait les mouvements en grande amplitude, ou peut-être que vous n'aurez pas assez contracté volontairement vos fessiers au moment de la contraction maximale. Donc voilà pour cette séance FB vitesse. Si vous voulez vous inscrire, c'est en lancement ce week-end. Le tarif de lancement, il est valable jusque dimanche minuit. Après, le tarif va augmenter et ce sera donc le prix fort. C'est juste pour le lancement là qu'on fait une petite offre. Donc, cliquez dans le lien dans la description et vous pourrez bénéficier donc de ce tarif privilège. Voilà, et donc rejoignez-nous. On est déjà plusieurs centaines à faire ce programme et ça va être génial. Vous allez tous avoir des fesses bombé, rebondi depuis chez vous. Et ça, c'est génial, c'est que du bonheur. Donc merci encore une fois pour votre confiance. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Salut, salut.